Catherine, on y va avec du rosé cette fois-ci. C'est l'été, oui. C'est le temps de boire du rosé. Mais on s'en va en Californie, Santa Cruz précisément. Là, on est dans donc Birikino, domaine qui veut dire l'expiègle. Et on va savoir pourquoi rapidement. Parce que deux garçons qui travaillent de façon fantastique ont appris avec des grands maîtres, Randall Graham et Ostertag, et qui font des super beaux. Quoi. Exact. Donc, derrière Birikino, c'est John Locke et Alex Cross, deux jeunes vraiment passionnés. Ils font vraiment un rosé à la type provençale. Hein. Juste l'assemblage. Tout à fait. On est grenache, des grenaches en latitude, du cinceau, des vieilles vignes de cinceau de 127 ans, un peu de Roll, un peu de Mourvèdre, donc ça nous rappelle vraiment le sud de la France, ce petit côté œil de perdrix. La couleur est tout à fait provençale, au niveau du nez on est pareil, on est sur la rose, on est sur les agrumes, on est sur les fruits, on est vraiment, la bouche est pareil, la bouche est tendue, une belle fraîcheur. On serait jamais en Californie forcément sur ce type de vin là, et c'est ça qui est très agréable, en plus de tout le côté aromatique de ce vin là, c'est vraiment apéro, du bon rosé. Ouais. Apéro, on continue sur le repas avec ça, rosé de piscine aussi. On s'en lasse pas. Excellent. C'est super chouette, on adore ça.